s'est enchaîné. Oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Ciel tout bleu. Oh, 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 supporter un ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Là-dedans. C'est ça le début de la folie. Villabé,
il offre 1 000 000 au gouverneur pour qu'il soit libéré. Tous les jours, il nous parle d'un trésor, le trésor de Spada Comité. Et c'est comme ça que le cerveau de l'ABC est détraqué. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas fou. Je ne vous offrirai pas 1 000 000, moi, car je ne pourrai pas vous donner. Mais je vous offrirai 100 écus si je peux rencontrer le substitut, monsieur de Villefort. Ça fait 6 ans que tu nous parles de ton monsieur de Villefort. T'as déjà perdu la tête, même si on ne te l'a pas encore coupée. Il n'y a pas de monsieur de Villefort. Jamais. Il n'y a pas d'espoir, ici, au château d'If. Fada, t'es vraiment fada comme la ville. Plus d'espoir. Laissez-moi sortir. Prends l'air. Me promener. Je veux voir le ciel. Juste un instant. Donnez-moi des livres. Je veux lire. M'évader, rêver, pleurer, rire, penser, vivre. Je t'en parlais en homme. Au nom du ciel.
Non. Qui gouverne à sa place? Louis XVIII. Le frère de Louis XVI. Mais vous, depuis combien de temps êtes-vous ici pour ignorer cela? Depuis 1811. Dites-moi qui vous êtes. Dites-moi au moins qui vous êtes. C'est bien. Ne creusez plus. Mais dites-moi, à quelle hauteur se trouve le trou que vous avez fait? Au ras de la terre. Comment est-il caché? Sous mon lit. Sur quoi dans votre chambre? Sur un corridor. Et le corridor aboutit à la cour. Hélas! Mon Dieu! Qu'y a-t-il donc? Il y a que je me suis trompée. Je ne sais pas. Dans mes calculs ou dans mes dessins, il y a que j'ai pris le mur que vous creusez pour celui de la citadelle. Mais alors, vous aboutissiez à la mer? Oui, à la mer. Et si vous aviez réussi? Je me jetais à la nage et je me mis dans ces îles autour du château d'Y. L'île de Dôme, l'île de Tiroulan, ou même la côte. J'étais sauvée. Vous auriez pu nager jusque-là? À quoi bon? Maintenant, tout est perdu. Rebouchez votre trou. C'est inutile. Mais dites-moi qui vous êtes! Dites-moi au moins qui vous êtes! Je suis le numéro 27. Vous vous méfiez de moi? Qui est avec vous? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il me semble que ça fait une éternité que je suis entre ces quatre murs. Mais je sais que j'allais avoir 19 ans le jour où j'ai été arrêtée, le 28 février 1815. T'as tout à fait 26. Encore 25 ans. Eh bien, encore bien jeune pour faire un traître. Ne me laissez pas seule. Ne m'abandonnez pas. Nous fuirons ensemble. Et si nous ne pouvons pas fuir, nous parlerons ensemble. Vous, des gens que vous aimez, moi, des gens que j'aime. Vous devez bien aimer quelqu'un. Je suis seule au monde. Alors, vous m'aimez de moi. Si vous êtes jeune, je serai votre camarade. Si vous êtes vieux, je serai votre fils. J'ai un père qui doit avoir 70 ans, s'il vit encore. Je n'aimais que lui et une jeune fille que l'on appelait Mercedes. Mon père ne m'a pas oublié, j'en suis sûre. Mais elle, qui sait si elle pense encore à moi? Je vous aimerai comme j'aimais mon père. Ah bon? C'est bien, mais j'ai entendu vous dire, à plus tard. Bonsoir, monseigneur. C'est le ravitaillement. La journée a été bonne? T'es bien silencieux ce soir, dis donc. Et dis, Marius, tu trouves pas qu'il est bizarre? Et t'as raison, Jules. Il a perdu sa langue. Il roumègue. Même plus, c'est bizarre. Tu caches quelque chose? Tu veux pas redevenir fou? Tu vas pas nous retomber malade? Basta, ça lui passe. Nous avons 12 heures de liberté. Je peux donc agir. Je viens à vous. Oh, je vous en supplie. Je suis l'abbé Faria. N'êtes-vous pas le prêtre que l'on croit malade? Fou! Que l'on croit fou, vous!
Je n'osais. Oui, c'est moi qui passe pour fou. C'est moi qui divertis les habitants de cette prison. Oui, je suis bien fou. Fou d'avoir espéré un jour voir m'évader. Vous renoncez à fuir ? Il m'a fallu 4 ans pour fabriquer les objets que je possède. 2 ans pour gratter une tête dure comme du granit. 2 ans pour creuser une galerie sans issue. Depuis 12 ans que je suis en prison, j'ai pensé et repensé à toutes les évasions célèbres. Les évasions heureuses, couronnées de succès, sont toujours méditées avec soin. Mais il nous reste tel que le hasard peut offrir. Celles-là sont les meilleures. Croyez-moi, attendons une occasion. Si cette occasion se présente, profitons-en. Attendre ? Espérez ! Le voilà, l'âme de la Providence ! L'âme de Maria ! Celui qui se bat contre la fatalité ! Il ne renonce jamais ! Qui espère jusqu'à son dernier souffle ! L'âme de Maria ! Savant, italien, scientifique, cultivé ! L'âme de Maria ! Il a lu près de 5000 livres et connaît 150 ouvrages par cœur. Thucydide, Plutarque, Pippi, Dante, Montaigne, Shakespeare, Madame, et Bossuet ! Oh ! Il parle allemand, français, anglais, italien, espagnol et le grec ancien. Aucune prison ne peut boucher l'horizon d'un homme assoiffé de connaissances. L'abbé Faria, le sauveur des Mondantes. Après avoir longuement écouté l'histoire de l'abbé Faria, ce fut au tour des Mondantes de raconter son histoire. Cette dernière traversée à bord du Pharaon. La mort du capitaine Leclerc qui le charge de remettre un papier à Napoléon exilé sur l'île d'Elbe. Napoléon lui-même qui le charge de remettre une lettre à un certain monsieur Noirtier. Son arrivée à Marseille. Ses amours avec Mercedes et ce Fernand qui tourne autour d'elle. Le repas des fiançailles. Son arrestation. Son interrogatoire par monsieur de Villefort. Et son emprisonnement au château d'If. Je suis innocent. Vous me croyez maintenant? Mais qui a bien pu écrire cette lettre de dénonciation? Si vous voulez découvrir le coupable, cherchez d'abord celui à qui le crime profite. À qui votre disparition peut-elle être utile? Mais à personne, mon Dieu! J'étais si peu de choses! Vous alliez être nommé capitaine du Pharaon? Oui. Épouser une belle jeune fille? Oui. À qui cela peut-il déplaire? Commençons par le début. Il faut être méthodique. Qui avait intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon? Je ne vois personne. J'étais aimé par tous les matelots à bord. À moins que... Oui? Un seul homme pouvait m'en vouloir. J'avais eu quelque temps auparavant une querelle avec lui. Je lui avais proposé un duel, mais le pleutre, il l'avait refusé. Allons donc, cet homme, comment se nommait-il? Danglars. Qu'était-il à bord? Agent comptable. L'auriez-vous gardé à ce poste si vous étiez devenu capitaine? Oh non, si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais renvoyé. D'ailleurs, je le soupçonnais de trafiquer les comptes. Bien, maintenant, quelqu'un vous a-t-il vu lorsque capitaine Leclerc vous a remis le paquet destiné à Napoléon? Non, nous étions seuls. Mais attendez, la porte était ouverte et... Oui, oui, Danglars est passé juste au moment où le capitaine Leclerc m'a rendu le paquet. Bon, quelqu'un m'a-t-il vu ensuite avec la lettre de Napoléon? Tout l'équipage du bateau. Je l'ai tenu à la main jusqu'à ce que je la range dans mon portefeuille une fois dans ma cabine. Danglars comme les autres? Danglars comme les autres. Bien, maintenant, réunissez tous vos souvenirs. Vous rappelez-vous des termes exacts de la dénonciation? Oh oui, comment l'oublier? Je l'ai relu 3 fois. Chaque mot reste gravé dans ma mémoire. Alors? À la fin, il était écrit: on aura la preuve du crime d'Edmond Dantès en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. C'est évident, cher Dantès. Il faut avoir le cœur bien naïf et bon pour n'avoir pas démasqué l'auteur. Donc là, vous croyez? Bon, continuons. Passons à la deuxième question. Oui, j'écoute. À qui votre mariage avec Mercedes pouvait-il déplaire? Fernand. Oui, Fernand aimait Mercedes. Aurait-il été capable d'écrire la lettre pour le calomnier? Oh non, il m'aurait plutôt donné un coup de couteau. D'ailleurs, il ignorait tous les détails qui figuraient dans la dénonciation. Vous les avez donnés à personne? À personne. Dans l'art, connaissait-il Fernand? Non, enfin... Si,
et souriant, Fernand, plutôt pâle, le trouvait. Ils étaient seuls ? Oh non, il y avait un troisième larron avec eux. Oh, je le connaissais bien, lui. C'était Caderousse. Il était déjà ivre, comme à son habitude. Mais, attendez, je me rappelle. Sur la table, il y avait de l'encre, du papier et des plumes. Voici le lieu du crime, l'auberge, la réserve. Voici le vrai complot, celui contre Edmond Dantès. Quelle honte ! Quelle honte ! Dans 2 jours, Edmond Dantès épouse Mercedes. Voilà un mariage qui ne semble pas faire le bonheur de tout le monde. Me désespère. Vous aimez donc Mercedes ? J'adore. Depuis longtemps ? Depuis que nous nous connaissons, je l'ai toujours aimé. Et vous restez là, vous morfondre au lieu de réagir ? Que voulez-vous que je fasse ? Que sais-je ? Moi, ce n'est pas moi qui suis amoureux de Mademoiselle Mercedes, mais vous ! Je voulais poignarder Edmond Dantès. Et Mercedes m'a dit que s'il lui arrivait quelque malheur, elle se tuerait. Oh, voilà l'amour ! Oh, voilà, je m'y connais plus ! Bon, des mots, du vent, des balivernes sentimentales. Vous ne connaissez pas Mercedes, monsieur. Elle est capable de tout. Imbécile ! Que Mercedes meure ou non, peu m'importe. Pourvu que Dantès n'épouse pas Mercedes. Mais avant que Mercedes meure, je mourrai moi-même. Oh, voilà l'amour ! Oh, voilà, je m'y connais plus ! Voyons, vous me paraissez un gentil garçon, et je voudrais bien vous aider. Oui, voyons ! Mon cher ami, tu es complètement ivre. Bois, et ne te mêle plus de nos affaires. Pour ce que nous faisons, il faut avoir toute sa tête. Moi ? Ivre ! Allons donc ! Je pourrais boire encore 4 de tes bouteilles qui ne sont pas plus grosses que des bouteilles d'eau de Cologne. Travernier ! Du vin ! Vous disiez, monsieur ? Que disais-je ? Je ne rappelle plus. Cette ivrogne de Caderousse m'a fait perdre le fil de mes pensées. Ivrogne tant que tu le voudras ! Tous les méchants sont fumeurs, donc c'est bien pourvu par le déluge ! Vous disiez, monsieur, que vous voudrez une serrette de peine ? Oui, pour cela il suffit que Dantès n'épouse pas Mercedes. Mais il n'est pas nécessaire qu'il meure. La mort seule le séparera. Vous raisonnez comme un coquillage, mon ami. Danglars, c'est un filon, un malin qui va vous prouver que vous avez tort. Prouve, Danglars. Dis-lui que Dantès ne doit pas mourir. En plus, ce serait un peu fâcheux qu'il meure, Dantès. Moi, j'aime Dantès. À ta santé, Dantès. Laissez-le dire, il est complètement ivre. D'ailleurs, il n'a pas tout à fait tort. Supposez qu'il y ait entre Edmond et Mercedes les murailles d'une prison. Oui. Ils seraient séparés pour toujours. Oui, mais on n'en sort pas d'une prison. Et quand on est sorti de prison et qu'on s'appelle Edmond Dantès, on se venge. Qu'importe. Et en plus, pourquoi on mettrait Dantès en prison ? Il n'a ni volé, ni assassiné, et ni tué. Tais-toi. Je ne veux pas me taire, moi. Je veux qu'on me dise pourquoi on mettrait Dantès en prison. Moi, j'aime Dantès. À ta santé, Dantès. Eh bien, vous comprenez, il n'y a pas besoin de le tuer. Non, certes. Si on a le moyen de faire arrêter Dantès, mais ce moyen, l'avez-vous ? Une plume, de l'encre et du papier. Une plume, de l'encre et du papier ? Il y a tout ce que vous désirez sur cette table. Quand on pense qu'on peut tuer un homme avec une plume, de l'encre et du papier. Moi, j'ai toujours eu plus peur d'une plume, d'une bouteille d'encre et d'une feuille de papier qu'un pistolet ou une épée. Servez-lui donc à boire et qu'on en finisse. Eh bien, imaginez qu'après un long voyage, comme celui que vient de faire Dantès, dans lequel il a touché terre à Nantes et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi. Comme un traître, un agent bonapartiste. Je dénoncerai, moi. Non, jeune homme, calmez vos ardeurs. J'ai une bien meilleure idée. Il suffira de prendre cette lettre, comme je le fais, et d'écrire de la main gauche pour que l'écriture ne fût parvenue une petite dénonciation. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône que le nommé Edmond Dantès
Seconde, tu navires le pharaon arrivé ce matin de Smyrne. Après s'être arrêté à Naples et à l'île d'Elbe, a été chargé par l'usurpateur Napoléon d'une lettre pour les comités bonapartistes de Paris. On aura la preuve du crime d'Edmond Dantès en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou ses chambres, ou dans sa cabine, à bord du pharaon. Pas de trace, pas de piste, aucun risque, tout serait dit. Il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre comme je le fais et d'écrire dessus à monsieur le procureur royal. Tout serait dit. Oui, tout serait dit. Mais tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Je serais bien fâchée qu'il arrivera quelque malheur à Dantès, ce bon Dantès. Après tout, Dantès est mon ami. Je veux pas qu'on lui fasse du tout mal. Moi, j'aime Dantès. À ta santé, Dantès. Qui diable songe à lui faire du mal? Ce n'est ni moi, ni Fernand. Dans ce cas, qu'on me donne des mains. Je me bois à la santé d'Edmond Dantès et de la belle Mercedes. Tu as déjà trop bu, ivrogne. Il est temps de rentrer. Donne-moi donc le bras. Rentrons, rentrons, mais j'ai pas besoin de ton bras pour venir. Tu viens avec nous, Fernand? Non, je préfère retourner chez moi. À ton aise. Viens, Danglars. Vous voulez encore savoir autre chose? Oh oui! Oui! Puisque vous voyez clair en tout, je veux savoir pourquoi je n'ai été interrogée qu'une seule fois. Pourquoi on ne m'a pas donné de juge? Pourquoi j'ai été condamnée sans procès? Qui vous a interrogée? Le substitut, monsieur de Villefort. Mais il semblait si bon et compréhensif. Il m'a même donné une grande preuve de sa sympathie. Laquelle? Il a brûlé la seule pièce à conviction qui pouvait me compromettre. Laquelle? La dénonciation? Non, la lettre que Napoléon m'avait donnée. Il a brûlé la lettre, dites-vous? Oui, en me disant: vous voyez, il n'existe que cette preuve-là contre vous, et je l'anéantis. Trop bon pour être honnête. Est-ce que le substitut avait intérêt à ce que cette lettre disparaisse? Peut-être, car il m'a fait promettre de ne jamais parler de cette lettre, ni de prononcer le nom qui était inscrit sur l'adresse. À qui cette lettre était-elle adressée? À Monsieur Noirtier, rue Coqueron, numéro 13 à Paris. Noirtier, Monsieur de Villefort. Mais tout c'est clair? Qu'avez-vous? Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes, savez-vous qui c'est ce Noirtier? Ce Noirtier, c'est son père. Son père? Mais le père de qui? Mais le père de celui que vous a interrogé, le père de Villefort. Il s'appelle Noirtier de Villefort. J'ai besoin d'être seule pour penser à tout ça. Je suis fâchée de vous avoir aidé dans vos recherches. Pourquoi cela? Parce que je vous ai insufflé dans le corps un sentiment qui n'était point la vengeance. Attends! Oui! Espérez! Certainement! Et me venger! Et les années passaient! Julie, étrangement! 7 ans s'écoulèrent! Et durant 7 ans, ils m'ont donné sa prenée! Et durant 7 ans, on avait Faria éduqué! On s'ennuie pas avec la
bien changé. Une intelligence aiguisée, un esprit affûté dans un corps de marin vigoureux. L'innocent de ses 19 ans s'était évaporé. Au bout de 14 longues années de prison, il avait soif. Soif de vengeance. Mais l'abbé Faria s'affaiblissait. Il allait de plus en plus mal. De plus en plus mal. Qui liait ses jambes. Puis il a nagé,
La mer s'agitait. Le ciel noir menaçait. Les vagues bouillonnaient. Le château d'If disparaissait dans la nuit. Edmond Dantès a nagé, nagé. Au bout d'une heure, il arriva sur l'île de Tiboulan. Edmond Dantès était sauvé. Arrêté à 19 ans, évadé à 33 ans. 14 ans au château d'If. Voilà, c'était fini. Le début de la fin, le début de la vengeance, la fin d'Edmond Dantès. C'est moi qui suis à l'origine de ce que vous avez fait, moi, l'abbé fou. Vous êtes mon enfant, Dantès, l'enfant de ma captivité. Je suis le comte de Monte Cristo. Je vous ai révélé la laideur des hommes, le complot dont vous aviez été victime.
J'éclairerai votre esprit. Je nourrirai de mes connaissances, de mon art. Je vous ai appris à penser, à percer les murailles de l'ignorance et à voir clair dans l'obscurité la plus totale. Et tout ce génie, au service de quoi, Dantès? Au service de quoi? Je suis le comte de Monte Cristo. Aucune pitié pour vos victimes. Pas de pitié. Ils avaient tous mérité ma vengeance. Cadrousse. Mort. Il est mort. Assassiné par son complice alors qu'il tentait de me cambrioler. Il est mort, foudroyé par la honte, quand je lui murmurais à l'oreille « Edmond Dantès ». Plus fort. Fou. Il est devenu fou. Quand il a appris que sa femme avait empoisonné presque tous les membres de sa famille, il lui a demandé de se suicider. Elle l'a fait, mais en entraînant dans sa mort leur fils, Édouard, encore si jeune. C'est vous qui avez poussé Madame de Villefort à ce crime? En quelque sorte, je l'avais conseillé sur les poisons. En quelque sorte, c'est vous qui avez tué le petit Édouard. Ce jeune garçon, étranger à vos malheurs, était innocent. Ne me torturez pas, l'abbé, je sais. Et Danglars? Le pire des quatre, le plus coupable, celui qui est à l'origine de tout, l'auteur véritable de la lettre de dénonciation. Je me le réservais pour la fin. Et alors, à quelle souffrance allez-vous nous condamner? Il s'en est bien tiré. Je voulais qu'il meure, lentement, qu'il agonise, qu'il crève de faim comme un chien. Mais c'était le dernier. J'étais fatigué. Je ne comprends pas. J'ai renoncé à ma vengeance. Je lui ai pardonné. Il est reparti, pauvre, certes, mais vivant. Votre mauvaise conscience, vous regrettiez la mort du petit démon de Villefort. Ne me torturez pas, l'abbé. Je lui ai pardonné parce que j'avais besoin d'être pardonné. Et vous oubliez un des quatre artisans de mon malheur, et pas des moindres. Ah oui, clairement. Il avait épousé Mercedes. Oui, cet homme méprisable avait gravi tous les échelons pour devenir général et obtenir le titre de comte de Morcerf. Et tout cela, non par le mérite, mais en trahissant. J'ai ruiné sa réputation en révélant toute cette trahison lors d'un procès qui le jugeait coupable. Son fils, Albert de Morcerf, a voulu me provoquer en duel pour laver l'honneur de son père. Je veux voir le comte de Monte Cristo. Laissez-moi entrer. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Ou je ne réponds plus de mes actes! Désolé, monsieur le comte, je n'ai pas pu l'arrêter, ou alors je lui... Laissez-nous aller, ça ira. Bonsoir, monsieur de Morcerf. Ce n'est pas une visite de courtoisie, monsieur le comte. Je suis venu pour vous demander une explication au sujet de mon père. D'où sortez-vous donc, monsieur? Semblait avoir perdu la raison en venant de faire un tel tatamar dans ma propre demeure. Je viens relever l'affront que vous faites à mon nom en salissant la réputation de mon père. Monsieur, je vous ne comprends pas. Et rien ne justifie que vous vociférez de la sorte. Vous êtes ici chez moi et seulement à une droite. Délevez la voix. Sortez, monsieur. Qu'à cela ne tienne, je vous demande réparation. Bien. C'est vous qui m'a provoqué, je vous laisse le choix des armes. Au pistolet, à 8h du matin, au bois de Vincennes. Bon, maintenant, sortez de chez moi ou sinon j'appelle mes domestiques et je vous fais jeter dehors. Ali, mon pistolet à l'aide. Merci Ali, ce sera tout. Qui êtes-vous, madame? Edmond, vous ne tuerez pas mon fils! Quel nom avez-vous prononcé, madame de Morcerf? Le vôtre que moi seule n'ai pas oublié. Ce n'est pas madame de Morcerf qui vient à vous, c'est Mercedes. Mercedes est morte, madame, et je ne connais plus personne de ce nom. Mercedes vit, Mercedes est vivante. Elle seule vous a reconnu au seul accent de votre voix. Et depuis ce jour, elle vous suit pas à pas. Elle vous surveille, elle vous redoute. Elle sait qu'elle est à l'origine de la condamnation de monsieur de Morcerf. De Fernand, voulez-vous dire? Puisque nous sommes en train de nous rappeler de nos noms. Edmond, épargnez mon fils. Et qui vous a dit que j'en voulais à votre fils? Personne, mon Dieu. Mais rien n'échappe à une mère aimante.
J'ai tout deviné. Mais madame, si vous avez tout deviné, vous savez que le fils de Fernand aurait jeté son bras à la figure si je n'avais pas arrêté. Oh, par pitié, Edmond, écoutez-moi. Mon fils vous attribue les malheurs qui frappent son père. Vous vous méprenez ? Ce ne sont point des malheurs, c'est un châtiment. Ce n'est pas le comte de Monte Cristo qui frappe monsieur de Morcerf. C'est la Providence qui me punit. Mais qui vous a donné le droit d'être la main de la Providence ? Moi-même, j'ai juré de me venger de Fernand, qui a épousé ma fiancée, Mercedes. Quelle terrible vengeance ! Mais je suis la seule coupable, Edmond, car je n'ai pas su vous attendre et espérer. Pourquoi étais-je arrêtée ? Pourquoi étais-je prisonnier ? Pourquoi étais-je absent ? Je l'ignore ! Oui, vous l'ignorez, madame, je l'espère. Eh bien, j'étais arrêtée parce que le jour, à la veille de mon mariage, un homme nommé Danglars a écrit cette lettre. On aura la preuve du crime dès demain Dantès en l'arrêtant. On trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du pharaon. Oh mon Dieu ! Cette lettre, elle m'a coûté 200 000 francs. Mais aujourd'hui, ce n'est rien, car elle me permet de me disculper à vos yeux. Et qu'est-il arrivé par la suite ? Vous savez, madame, mon arrestation. Mais ce que vous ignorez, c'est que je suis restée 14 longues années au château d'If, sous vos yeux. Oh mon Dieu ! J'ai juré de me venger de Fernand. Et aujourd'hui, je me venge. Pardonnez, Edmond, pardonnez-moi qui vous aime encore. Impossible, madame, impossible. Edmond, quand je vous appelle Edmond, pourquoi n'osez-vous pas m'appeler Mercedes ? Mercedes, ah, Mercedes ! Combien de fois ai-je prononcé votre nom ? Avec douleur, avec désespoir, mais toujours avec amour. Pourtant, vous n'y changez rien. C'est trop tard maintenant. Je dois me venger ! Vengez-vous, Edmond. Mais vengez-vous sur les vrais coupables. Épargnez mon fils. Que connaissez-vous du désespoir pour me demander de renoncer à ma vengeance ? Je vous ai pleuré, moi aussi. Mais je refuse de voir aujourd'hui l'homme que j'aimais devenir le meurtrier de mon fils. Que demandez-vous ? Que votre fils vive ? Eh bien, il vivra. Voilà, vous savez tout, l'abbé. Vous qui venez me hanter. Vous n'avez pas tué le fils de Fernand, le fils de Mercedes ? Si vous saviez comme je l'aimais, Mercedes ! Comme je l'aimais ! Je le sais, Edmond, je le sais. Il n'y a pas eu de duel, alors ? Non, jamais. Mercedes a tout raconté à son fils. Albert a renoncé au duel. Il n'y avait plus d'honneur à sauver. Alors, ils sont partis s'installer à Marseille. Fernand, abandonné, humilié, s'est suicidé. Elle doit baiser maintenant. Et tous ces morts, tous ces victimes de votre vengeance. Vous êtes là, l'abbé, dans ma tête, pour me torturer ? Je ne vous ai jamais quitté, Edmond. Mort, je suis restée en vous, dans vos souvenirs, dans vos pensées. Rappelez-vous, Edmond, vous êtes l'enfant de ma captivité. Combien de fois, depuis mon évasion, j'ai repensé à ces 14 années d'enfermement au château d'If ? 14 années en enfer ! Combien de fois, depuis mon évasion, j'ai revu ce jeune marin de 19 ans, innocent, naïf, et si amoureux de la vie, combien de fois me suis souvenu de notre première rencontre, de ce trou creusé, de ce corridor vers l'espoir, et de vous, l'abbé fou que j'ai serré dans mes bras. Je vous ai tant attendu, tant espéré, vous mon enfant. Vous m'avez révélé la laideur des hommes, leur traîtrise, leur jalousie, leur cupidité. Vous m'avez ouvert les yeux. Je vous ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je savais. Vous m'avez appris à voir, à penser, à transpercer les murs du désespoir, les murs de l'ignorance, à attendre, à espérer. Vous m'avez donné la fortune. Je vous ai donné mon trésor. Le trésor de l'abbé Faria. Le trésor de Monte Cristo. Sans vous, jamais je ne serais devenu le comte de Monte Cristo. Peut-être, c'est vrai. J'ai attisé votre soif de vengeance. Et j'ai eu très soif, après tant d'années de souffrance. Elle doit baiser maintenant, après tous ces morts. Villefort, Fernand, Danglars, Cadrousse. Danglars, je ne l'ai pas tué, tout comme le fils de Fernand, Albert. Avez-vous des regrets ? Non, l'abbé, mais un remords. Lequel ? Celui de m'être cru l'égal de Dieu en pouvant agir sur la destinée des gens. Et qu'allez-vous faire maintenant, comte de Monte Cristo ? Je vais m'évader, l'abbé, comme vous me l'avez appris. Vous évader ? Mais de quelle maison ? De mon passé, de mes souvenirs.
Je vais m'évader, l'abbé, pour continuer à attendre et à espérer. Allez, Dantès, on se fait la belle. Thank you.